Et bon matin à tous ceux qui se joignent à nous ce matin, je suis vraiment content d'être avec vous pour conclure notre étude de la lettre complète aux Philippiens écrite par l'apôtre Paul et euh, bravo à tous ceux, euh, pour vrai félicitations, je suis vraiment content pour tous ceux qui ont euh, débuté à partir du jour 1 euh, notre étude sur la lettre de Philippiens et que vous avez continué jour après jour, semaine après semaine euh, avec nous jusqu'à aujourd'hui où qu'on termine la lettre aux Philippiens. Donc je vais commencer en lisant le passage de ce matin alors qu'on conclut. Et euh, soyez pas surpris, je vais relire à partir de, des passages que Corentin a utilisé hier. Parce que je ne pouvais pas utiliser les passages que j'ai moi aujourd'hui sans parler des passages que Corentin a utilisé. Euh, sinon, ça aurait été un peu trop hors contexte. Donc euh, je vais commencer à lire à partir de Philippiens 4, verset 10, et par la suite, on va étudier ce passage-là. Alors, euh, lisons ensemble. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez enfin pu renouveler l'expression de votre intérêt pour moi. Vous y pensez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être satisfait de ma situation. Je sais vivre dans la pauvreté, je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie, Jésus-Christ. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au début de la prescription de l'évangile lorsque j'ai quitté la Macédoine, aucune église n'a pris part avec moi à un tel échange de contributions. Vous avez été les seuls à le faire. À Thessalonique déjà, et à plus d'une reprise, vous m'avez envoyé de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je désire qu'un fruit abondant soit porté sur votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé en recevant d'épaphrodite ce que vous m'avez envoyé comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira tous vos besoins conformément à sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père, soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Saluez salue, salue chacun des saints en Jésus-Christ. Les frères qui sont avec moi, vous saluent. Tous les saints vous saluent en particulier ceux de l'entourage de l'Empereur. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Et comme vous l'avez euh, sûrement remarqué, ce matin, on va parler d'argent. Oh, boy. L'argent n'est pas un sujet très populaire, je le sais, mais je veux vous encourager à rester avec moi parce que je crois que ça va être une étude très, euh, très sédifiante et encourageante pour chacun d'entre nous et qu'on va pouvoir en soutirer de bonnes, euh, de bonnes choses pour nos vies. Donc, on va parler d'argent. Donc, euh, l'église de Philippe était reconnue comme étant l'église la plus généreuse du nouveau Testament. Et euh, l'église de Philippe n'a pas toujours pu euh, pourvoir aux besoins de Paul. On le voit au verset 10. Euh, il me dit, vous n'avez pas eu l'occasion de manifester votre générosité. Donc, sûrement que Paul était en voyage, l'église de Philippe n'était pas au courant où est-ce que Paul était. Euh, peut-être que Paul était en mer. On sait que pendant un bout de temps, il se retrouvait sur la mer. Euh, peut-être qu'il n'avait pas de nouvelles. Mais un jour, ils ont su que euh, Paul était emprisonné à Rome en attendant peut-être une sentence de mort. Et on dit, ils se sont dit... On continue de pouvoir aux besoins de Paul, donc on va envoyer Épaphrodite, euh, lui envoyer des dons et des biens euh, pour pouvoir à ses besoins et on veut s'assurer que son ministère puisse continuer. Donc euh, il y a eu plusieurs mois où Paul n'avait pas beaucoup d'argent et vivait dans la pauvreté, mais, euh, mais il y a eu beaucoup de, de mois et d'années que, que Paul a vécu dans la richesse également. Et comme vous savez, comme on l'a vu dans les derniers jours et les dernières semaines, que la lettre de Philippiens est vraiment concentrée sur la joie. Et ce matin, j'aimerais qu'on regarde cinq points pour nous apprendre à comment garder une joie parfaite au milieu des finances de notre vie. Donc, premier point quand tu as Jésus, tu as tout ce dont tu as besoin. Quand tu as Jésus, tu as tout ce dont tu as besoin. Et on voit ça dans la vie de Paul, qu'il savait autant se réjouir dans l'abondance. Que dans la pauvreté. Lorsqu'il reçoit des dons, on voit qu'au verset 10, il dit J'ai éprouvé une grande joie. On voit la joie de Paul. Moi, là, dans la, il dit Moi, dans la richesse, quand j'ai reçu vos dons et tout ça, j'étais en abondance. Waouh Merci, je suis tellement heureux. Mais ça nous dit que lorsqu'il n'en recevait pas, ça dit J'ai appris à être satisfait. Et, et on voit au verset 11 J'ai appris à être satisfait. Et au verset 12 J'ai appris en toutes circonstances. En toutes circonstances, j'ai appris. Mais comment Paul faisait pour garder autant la même joie, autant quand il était dans la pauvreté que quand il était dans la richesse? C'est quoi le secret? C'est quoi le secret? Il dit à deux reprises, j'ai appris. Et lorsqu'on regarde dans le grec, ça pourrait même être écrit, j'ai appris le secret. Et c'est quoi le secret? C'est quoi le secret? Le verset 13. Je peux tout par celui qui me fortifie. Par la joie de connaître Jésus, mon Sauveur, personnellement, il peut tout faire. Par la joie de connaître Jésus, Paul pouvait tout faire. Par la joie de connaître Jésus, je peux tout faire. Que sa joie, Paul est en train de dire que sa joie et son, la joie et son ministère n'allaient pas dépendre des circonstances de la vie ou des circonstances qui étaient dans l'abondance financière ou dans la pauvreté financière, mais que son ministère dépendait de Jésus. Que les circonstances de notre vie à chacun d'entre nous, Peut varier. Ces circonstances-là, ils peuvent varier, ces circonstances-là. Mais il n'y a aucune variation dans notre Sauveur, Jésus-Christ. Et là, c'est le temps d'écrire Amen. Dans notre vie, les circonstances, nos, nos, euh, nos moyens financiers, quoi que ce soit, peuvent monter et descendre, mais en Jésus-Christ, il n'y a aucune variation. L'amour et la présence de notre Jésus est toujours constante. Donc, ce qu'on peut apprendre de Paul, c'est que notre identité ne doit pas être fondée sur ce que l'on a mais sur qui on a. Donc, si tu as Jésus, si j'ai Jésus, on peut tout faire. Et voici une clé importante. C'est bon d'avoir des possessions, tant longtemps que ces possessions-là ne nous possèdent pas. Parce que lorsqu'on parle d'argent, souvent on voit ça comme quelque chose de mal. Mais en soi, l'argent n'est pas mal. Ça doit dépendre seulement de la manière qu'on les gère, si on est des bons intendants. Donc, en soi, l'argent, c'est quand même assez neutre. C'est comme une brique. C'est comme si euh, tu as une brique dans les mains, puis je dis, bon, mais que Tu fais avec ça? Ah, ben, moi pour vrai, euh, les briques, j'y prends puis j'y lance dans les vitres de mes voisins pour briser leurs vitres. Hum, mauvaise manière de gérer ta brique. Et si, peut-être, tu me dis, Ben, moi, les briques, j'y prends et je construis des hôpitaux pour les enfants malades. Bonne manière de gérer ta brique. Et c'est un peu le même principe avec l'argent. C'est la même chose. L'argent, c'est soit un outil ou soit une idole. Donc, soit tu utilises l'argent comme un outil pour bénir les gens, pour glorifier Dieu, pour investir dans le royaume de Dieu. Où tu prends l'argent pour pouvoir à tes besoins, pour ton confort, pour bâtir ton royaume. Mais Paul nous exhorte à placer notre identité en Jésus et non dans nos possessions matérielles ou monétaires. Ce qui m'amène à mon deuxième point. Vous allez l'aimer, vous allez voir. Deuxième point. Quand tu ne donnes pas, ça l'aide d'autres personnes. Quoi? Quand tu ne donnes pas, ça l'aide d'autres personnes. Laisse-moi t'expliquer. L'église de Philippe était une église généreuse. Et nous, nous sommes appelés à imiter les chrétiens de Philippe. Et je me dire encore, quand tu ne donnes pas, ça l'aide d'autres personnes. Si tu décides d'être avare, d'être égocentrique avec ton argent, et que tu dis Mais ben, c'est mon argent, correct. Ça va aider quand même d'autres personnes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Regardez les versets 15 et 16. Vous savez vous-même, Philippiens, au début de la prédication de l'Évangile, lorsque j'ai quitté la Macédoine, aucune église n'a pris part avec moi à un tel échange de contributions. Vous avez été les seuls à le faire. À Thessalonique déjà, et à plus d'une reprise, vous m'avez envoyé de quoi pour voir mes besoins. Comme vous le savez, Paul est un évangéliste. Paul implantait des églises. Et les chrétiens auxquels il s'investissait, dans les églises et dans les chrétiens auxquels Paul avait, avait pris du temps pour s'investir en eux, chacun d'entre eux décidait de ne pas redonner à Paul. Il décidait de ne pas supporter Paul par la suite dans son ministère. Donc, les gens de Thessalonique ou de la Macédoine ou peu importe étaient là hey, on est content d'avoir rencontré Jésus, on est content de savoir que maintenant on a la vie éternelle et qu'on est sauvés, mais il décidait de ne pas encourager Paul pour dire nous, on veut que d'autres personnes puissent expérimenter la même joie que l'on vit de savoir que nous sommes sauvés. On ne veut pas que nécessairement d'autres personnes puissent entendre le même message que nous et qu'ils puissent être sauvés avec nous. C'est comme si les gens de Thessalonique ou de la Macédoine ou d'ailleurs disaient, « Non, mais je suis sauvé, puis je suis l'aise d'être sauvé tout seul. <laughs> » Et donc, Paul arrive, quand Paul est en Macédoine, et c'est arrivé quand également que Paul est à Thessalonique, que les seules personnes qui l'aidaient financièrement, c'est l'Église de Philippe. Et l'Église de Philippe, même lorsque, ça nous dit que lorsque Paul était en Thessalonique, l'Église de Philippe a donné même deux fois. Et c'est drôle parce que même Paul était... Euh, était en Thessalonique seulement trois semaines. Mais l'Église, les Philippiens ont fait « Hey, nous, là, on veut investir, on veut s'assurer que Paul manque de rien et qu'il continue à faire son ministère à Thessalonique. » Donc, on voit que dans les Églises, par exemple, comme à Thessalonique, il y avait beaucoup de consommateurs, mais peu de contributeurs. Et je prie que ça ne puisse pas être notre cœur à chacun d'entre nous. Donc, l'Église de Thessalonique décidait de ne pas redonner pour que d'autres puissent expérimenter la même chose que les autres ont expérimenté. Et regardez même ce que Paul va dire un, un moment donné à l'église de Corinthe. Dans la deuxième lettre qu'il envoie dans 2 Corinthiens 11.8, on voit qu'il dit ceci. « J'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir. » Et sachez-le bien ici, Paul, ce n'est pas un bon langage qu'il utilise ici. Là. Il est en train de dire « Pourquoi c'est les Philippiens qui doivent pourvoir pour que vous, vous puissiez recevoir? Pourquoi je dois vivre sur la générosité des Philippiens? » Pourquoi c'est eux qui doivent me vêtir, me nourrir, pourvoir un salaire à mon voyagement alors que je suis ici pour vous servir? C'est eux qui me soutiennent alors que je suis en Macédoine ou en Thessalonique ou alors que je suis en Corinthe. Paul ne veut pas dérober les autres églises parce que certains décident de ne pas donner. Paul est en train de me dire ce matin à moi Jasmin, je ne veux pas dérober le portefeuille des autres personnes alors que moi je suis en train de te servir. Et alors, quand je dis que quand tu donnes pas, ça aide d'autres personnes, je suis vraiment sérieux. Ce que je veux dire, c'est alors que les chrétiens de Corinthe, de Thessalonique, de la Macédoine ne donnaient pas, ça donnait l'opportunité aux Philippiens de recevoir ce que ce qu'eux ont décidé de ne pas recevoir. Savez-vous que Dieu est assez bon pour bénir notre égocentrisme? Mais <laughs> comprenez-moi bien. Dieu est assez bon pour bénir notre égocentrisme. Mais c'est pas nous qui vont recevoir la bénédiction. Il va bénir notre égoïsme, mais c'est les autres qui vont être bénis. Alors que l'Église de Thessalonique a choisi de pas donner après avoir reçu, ça a amené les chrétiens de Philippe à faire "Ok, ben nous on se lève, nous on va pouvoir On va même pouvoir deux fois. Les Romains payent pas, on va payer. <coughs> L'Église de Corinthe paye pas, on va payer. Parce que les autres disaient "On est tellement excités de ce que Dieu a fait dans notre vie et d'avoir entendu ce message-là, on va payer pour eux." Et j'espère tellement que ça va être, que ça puisse devenir notre cœur à x 21 de dire, nous on veut pouvoir parce qu'on est tellement excité, tellement reconnaissant du message qu'on a entendu, et de l'exhortation et d'entendre le merveilleux message de la bonne nouvelle de Jésus qu'on veut tellement que d'autres personnes puissent l'entendre également. Donc, il faut savoir que Dieu nous donne l'opportunité d'être généreux, mais ça reste toujours notre choix. Dieu ne va jamais nous forcer le bras pour être généreux. Et que j'aimerais dire ce matin, c'est correct, si tu ne participes pas, l'aide va promener d'ailleurs. Mais Dieu va offrir sa bénédiction que tu aurais pu avoir à ceux d'ailleurs. Mais quand tu donnes, ça l'aide d'autres personnes. Ce qui m'amène à mon troisième point récoltons ce que l'on sème. Récoltons ce que l'on sème. Voici ce qu'il dit au verset 17. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je désire qu'un fruit abondant soit porté à votre compte. Paul bon est en train de dire, c'est pas que je veux absolument votre argent, mais je veux que vous puissiez goûter aux fruits rattachés à la générosité. Et comme Paul dit au verset 10, Je me suis profondément réjoui dans le Seigneur en voyant votre intérêt pour moi a pu finalement porter de nouveaux fruits. Et ça, c'est dans la version sommaire. En voyant votre intérêt pour moi a pu finalement porter de nouveaux fruits. Ici, Paul utilise une image d'agriculture afin que leur public puisse bien comprendre. Il est en train de dire que la semence que l'on sème fait naître des fruits. Donc, ça, c'est assez logique. Et la seule raison pourquoi l'Église de Philippe ont pu avoir et récolter de nouveaux fruits, c'est parce qu'ils ont semé à nouveau. Donc, on, doit que, on, doit, on, on voit qu'on doit semer de la générosité pour être en mesure de récolter le fruit de cette générosité-là. Donc, si tu ne portes pas de fruits, c'est parce que tu ne sèmes pas. Toute la semence que les Philippiens et tout le fruit, mais en toute la semence que les Philippiens ont, 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 ont mis et tout le fruit que ça a causait dans le ministère de Paul, c'est comme si les Philippiens eux-mêmes l'auraient fait, le ministère. Dans le fond, j'explique. Aux yeux de Dieu, tout l'argent que vous investissez dans le royaume de Dieu et que par la suite, ça porte du fruit, même si c'est pas toi qui récolte, « Aux yeux de Dieu, c'est quand même grâce à toi. » Il dit au verset 17, « Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je désire qu'un fruit abondant soit porté à votre compte. Le fruit que je récolte soit déposé dans ton compte. » Paul c'est ça ce qu'il dit, Paul. « Soit déposé à votre compte. » Donc, tout le fruit que, qui a été récolté à Corinthe, à Thessalonique, à Rome, je veux que ce fruit-là soit, fruit, soit porté à votre compte. Vous, les chrétiens de Philippe, et je pourrais dire que, et par exemple, ça m'amènerait à dire, par exemple, que je pourrais utiliser cette même, euh, même analogie-là pour Axe 21. Je pourrais dire que tous les fruits portés par le ministère d'axe 21 soient portés au compte des fidèles donateurs. Et c'est comme si quand Dieu verrait votre compte, alors que vous vous retrouvez devant Dieu, Dieu ou votre compte fait comme « Aïe aïe, grâce à toi, il y a eu 462 baptêmes. À cause de toi, il y a eu 462 baptêmes. » Et là, tu vas dire « Ouais, mais non, non. » Je n'ai pas, euh, pas baptisé personne, pas, euh, moi, je n'ai pas eu la chance de baptiser autant de personnes, quoi que ce Non, mais il dit, non, non, Ma cause que tu as donné, ça a été mis à ton compte. Tu en récoltes le fruit. Quand tu vas être au ciel, ton compte va être abondant parce que tu as donné abondamment. Et ce qui m'amène à mon quatrième point. Quand tu es fidèle à donner, tu es en mesure de recevoir. Quand tu es fidèle à donner, tu es en mesure de recevoir. Voici ce que ça nous dit au verset 19. Ou si mon Dieu, et ça c'est un passage qu'on aime vraiment, hein, ou si mon Dieu subviendra pleinement à tous vos besoins, il le fera selon sa glorieuse richesse qui se manifeste en Jésus-Christ. Waouh, c'est tellement encourageant ce passage-là. Donc, on voit qu'au verset 17, lorsque Paul parlait des fruits, ça va porter à votre compte, c'était pour que lorsqu'on va être au ciel, il disait lorsque vous allez vous retrouver devant Dieu au ciel, après votre mort, je veux que ça soit porté à votre compte là-bas. Mais ici, au verset 19, il ne parle pas de nos besoins au ciel, parce que lorsqu'on va se retrouver au ciel, on n'en aura pas de besoin, ça va être parfait, on n'aura plus ces besoins-là. Mais c'est pour, il parle de nos besoins terrestres, que Dieu surviendra à tous vos besoins terrestres. Et j'aimerais dire quelque chose d'important à partir de maintenant qui vont sûrement en choquer quelques-uns. Mais je suis vraiment désolé, mais en même temps, c'est ce que la Bible nous enseigne. Pour recevoir la promesse du verset 19, tu dois remplir une condition tu dois remplir certaines conditions. Parce que, parfois on voit tellement la vie chrétienne et euh, l'effet des bénédictions, comme si quand on est chrétien, on rentre dans l'épicerie, la bénédiction du Seigneur, on se promène avec notre panier, puis on se promène dans les allées, et là, on met toutes les bénédictions qu'on veut, on les met dans notre panier, puis après ça, on ressort parce que c'est gratuit, puis j'ai droit à ces bénédictions-là, c'est gratuit, de même, le, j'y prends, puis c'est fini. Mais c'est tellement faux, c'est tellement pas comme ça, qu'on euh, peut avoir ces bénédictions-là, peu importe. Peu importe, euh, euh, par exemple, la Bible a certaines conditions. La Bible va avoir certaines conditions à certaines promesses. Juste par exemple, pour avoir accès au paradis, est-ce que n'importe qui peut entrer, peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu as dit, peu importe Non. Jésus va nous dire à un moment donné, « Nul ne peut entrer dans le royaume des cieux à moins qu'il soit né nouveau. » C'est une condition. Donc parfois, il y a certaines promesses comme ça qui sont liées à une condition. Donc si on veut recevoir la promesse, nous devons mettre en pratique ce qu'il nous demande de faire pour recevoir la promesse. Et non, malheureusement, on ne peut pas utiliser cette promesse-là comme bon nous semble, puis de faire comme, ah ouais, ah mais là je suis dans le besoin, coach j'ai un besoin, mais ça dit dans la Bible, Dieu pour voir en mes besoins, that's it. Ok, go, Dieu pour voir. Non, non, il faut retourner dans le texte, dans le contexte, et regarder à qui Paul parle, à qui Paul dit cette promesse-là, et pourquoi il dit cette promesse-là. Il dit à l'église de Philippe, à cause qu'ils ont été fidèles et, et généreux, à cause qu'ils ont été des chrétiens fidèles et généreux, alors qu'ils ont offert un sacrifice de générosité et qu'ils ils se sont mis dans une posture à ce moment-là où ils peuvent recevoir la bénédiction de Dieu. Regardez, je vous encourage à lire votre Bible. Jamais vous allez voir dans la Bible Paul utiliser, Paul dire ceci dans le fond ou cette bénédiction-là, ou dire comme, ai-je hey, prie vraiment pour cette bénédiction-là, que Dieu pourvoie tous vos besoins? Non. Paul ne va jamais dire ce passage-là à une autre Église. Vous n'allez jamais voir également dans la Bible que Dieu va bénir quelqu'un financièrement sans que cette personne-là n'ait pas été fidèle et généreux envers lui. Jamais. Jamais. Et si vous lisez bien la Bible, souvent les mauvais intendants, les personnes égoïstes, les personnes avares de leur argent, ne sont pas vraiment bien vus et bien traités dans la Bible. En fait, Dieu promet de déshonorer financièrement même ceux qui ne l'honorent pas financièrement. Et je sais que ça peut être hard à ce matin, je sais que ça peut être difficile, mais c'est ce que la Bible nous dit. Regardez dans Proverbes 11, 24. Ça nous dit, tel, tel donne libéralement et ses richesses s'accroissent. Tel autre épargne à l'excès et se trouve dans la pauvreté tel autre donne, un tel donne librement, qui donne je, continuellement, qui donne libre, je suis libre de donner, je donne généreusement, je suis là, je donne. Et qu'est-ce que ça nous dit Et ses richesses s'accroissent. Alors qu'il donne et qu'il donne et qu'il qu est généreux avec son argent et qu'il n'est pas à bord, ses richesses s'accroissent. Mais l'autre qui garde et qui économise et qui épargne et qui veut garder ça pour lui, se retrouve dans la pauvreté. Même ça nous dit dans Malachi, vous pouvez aller voir également que ça nous dit que les personnes qui garde ses biens, ses finances, ses biens pour elle-même, est en train de voler Dieu. Et il y a un concept qu'on doit comprendre, que tout ce qu'on a reçu ne provient pas de nous, ne nous appartient pas, mais provient et appartient à Dieu. Et ça, c'est une mentalité qu'on doit continuer à avoir. Proverbe 3.9 nous dit, Honore l'Éternel en lui donnant une part de tes biens et en lui offrant les prémices de tous tes revenus. Honore l'Éternel en lui donnant une part de tes biens et en lui offrant les prémices. Les prémices, c'est genre euh, la, la, la première chose de tous tes revenus. La prémisse, c'est la première chose que tu donnes. J'aimerais te dire dans ta vie, ce que tu payes en premier, c'est la chose que tu honores le plus. Ce que tu payes en premier, ou à qui tu donnes en premier, c'est la personne que tu honores le plus. Et moi, j'aimerais t'encourager. Donne premièrement à Dieu. Oui, c'est difficile. Oui, des fois, ça fait mal. Et oui, ça demande un sacrifice. Mais j'aimerais dire quelque chose. Ça prend de la foi pour donner à Dieu en premier. Mais ça ne prend pas beaucoup de foi pour donner à Dieu en dernier. <laughs> tu n'as pas, be pas besoin de foi vraiment si tu donnes à Dieu en dernier avec ton reste. Mais ça demande beaucoup de foi de donner à Dieu dès le départ. Et après ça, tu essaies de voir qu'est-ce que tu vas faire avec le reste. Et j'aimerais dire ce matin, si ça te challenge, ou peut-être même si tu n'es pas d'accord avec moi ce matin, teste-le. Teste Dieu. Teste ce qu'il nous dit. Mets-le au défi. Mets-le au défi. Commence à donner prioritairement à Dieu et après ça, tu vas voir, tu vas voir ce que Dieu va faire. Moi, j'ai expérimenté, plusieurs chrétiens l'ont expérimenté, mais sois fidèle prioritairement avec Dieu et regarde-le pour voir d'une manière incroyable. Ce qui m'amène à mon dernier point. Dans chaque limitation se cache une invitation. Dans chaque limitation se cache une invitation. Peut-être que tu te dis ce matin, Jasmin, je suis tellement limité dans mes finances. Je suis tellement limité dans mes finances. Pour vrai, c'est difficile, je n'arrive pas, je suis même endetté. Voir que je vais commencer à donner, voir que je vais commencer à donner à l'Église, voir que je vais commencer à euh, financer euh, des missionnaires ou quoi que ce soit. Teste-le. Teste Dieu et regarde s'il ne va pas pouvoir à tes besoins. Et j'aimerais dire que mon Dieu, mon Dieu est le meilleur pour prendre peu et en faire une multitude. Si on regarde à Jésus par exemple, Amélie se retrouve devant cinq mille hommes et c'est peut-être même plus avec les femmes et les enfants qui, pas, qui, qui sont pas euh, écrits dans la Bible, là, mais cinq mille hommes. Et à ce moment-là, il y a un enfant qui arrive avec cinq pains, deux poissons. Et Jésus prend ce peu et nourrit la multitude. Il fait un miracle. Et tout le monde a mangé à sa faim et il y a même resté des restes. On voit à Mané que, euh, que, que, que Pierre est en train, en train de pêcher. Ils sont des pêcheurs ensemble puis ils ont pêché toute la nuit. Et qui n'ont récolté aucun poisson. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Et Jésus fait comme lance ton filet. Vas-y. Et il y a une pêche miraculeuse. Alors qu'il n'y avait rien, Jésus a pris rien, puis il leur a donné une multitude de poissons comme il jamais vu. Ça débordait du bateau. J'aimerais dire ce matin. Il n'y a rien de trop gros, mais il n'y a rien de trop petit non plus. Et j'aimerais dire ce matin que Dieu se soucie pas du montant, il se soucie du sacrifice. Et Dieu veut voir à quel point qu on est prêt à se sacrifier pour lui. Et alors qu'on se sacrifie. Alors qu'à l'image de Jésus à la croix qui s'est sacrifié, qui a tout donné. C'est quoi à mon tour d'être en mesure de me sacrifier moi aussi En réponse au sacrifice de Jésus. Et je sais que c'est challengeant. moi c'est quelque chose qui m'a challengeé vraiment longtemps dans ma démarche chrétienne où que les finances étaient quelque chose que, avec laquelle je luttais et j'étais j'avais toujours peur d'en manquer, j'avais tout le temps peur de, de, de. mais à un moment j'ai eu la conviction, j'ai demandé à Dieu Dieu, donne-moi la conviction que je dois te donner et puis en même temps Dieu me dit mais c'est clair dans la Bible, c'est clair. Il a rien de ce que tu as, Jasmin, que c'est à cause de toi. C'est moi, moi qui pourvois ta maison. C'est moi qui pourvois ta voiture. C'est moi qui pourvois tes vêtements. C'est moi qui pourvois ta nourriture. Je suis un ben non, c'est moi qui travaille pour. Oui, mais c'est moi qui donne la santé pour que tu ailles travailler. C'est moi qui donne vraiment tes, tes deux bras, puis tes deux jambes, puis ta bouche, puis ta tête, puis ton cerveau pour que tu puisses aller travailler. C'est moi qui donne le souffle chaque matin pour que tu puisses être capable d'aller travailler pour après ça avoir ta maison, ton toit, ta nourriture. Pour vrai, je veux, je veux vous challenger comme la Paul nous challenge. Puis ma prière ce matin, c'est que moi, Jasmin, mais que chacun d'entre nous, on aille un cœur comme l'Église de Philippe a eu. Généreux. Et plusieurs d'entre vous, vous avez entendu le message de la bonne nouvelle de Jésus. Et on ne veut tellement pas à ce qu'on soit les seuls à savoir ça, à connaître ça. on veut qu'une multitude puisse entendre la bonne nouvelle de Jésus. Donc, c'est pourquoi on doit investir dans le royaume de Dieu. Et je sais qu'il y a plein de questions après. Ouais, mais comment je fais pour savoir que si, comme, 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 si l'argent est bien géré puis qu'ils ne vont pas faire n'importe quoi ou que les personnes vont pas euh, se mettre la main dans les poches ou quoi que ce soit, bien, ils ne vont pas prendre l'argent et la mettre dans leur poche après, puis les pasteurs vont voler puis tout ça. Puis oui, il y a eu plein de scandales. Puis pour vrai, je suis tellement brisé à chaque fois que j'entends qu'il y a des scandales financiers comme ça. Mais la réalité, c'est que lorsque je donne, je donne à Dieu. Je donne à Dieu dans le sens où comme Dieu, tu m'as donné, moi je donne à toi. Puis après ça, je me dis que Dieu va gérer. Après, qu'est-ce qui va se passer? Et s'il y a des personnes qui ne gèrent pas bien cet argent-là, ils vont avoir des comptes à rendre devant Dieu. Mais, pour vrai, rendu-là, ce n'est pas ma tâche. Moi, ma tâche, c'est de redonner à Dieu ce qu'il m'a donné. De donner la prémisse de mon argent et de la donner à Dieu en priorité. Et je veux vous challenger à le faire. Je vous challenge à le faire. Et si, euh, que ce soit à votre église locale, euh, si vous écoutez et vous êtes dans une autre église, encouragez votre église locale. Encouragez les missionnaires. Encouragez-les. Et euh, si c'est AXE 21, encouragez AXE 21. Et juste que vous le sachiez, nous, on est ouverts. On, tous nos livres sont ouverts. Si vous posez des questions sur les finances, combien qu'on gagne, ouais, comment on gère l'argent, il suffit d'appeler au bureau, euh, de nous envoyer un courriel et on va pouvoir regarder ça avec vous. On veut se cacher de rien. Et même nous, les pasteurs, on n'a pas accès à cet argent-là. On n'a pas accès à savoir qui donne, comment donne. Non. Mais merci à ceux qui donnent généreusement et merci à ceux qui vont vouloir commencer à donner généreusement. Mais ce matin, mon but c'est pas de faire un appel à votre argent tout ça, mais plus à ce que vous puissiez prendre un temps devant Dieu, à sonder votre cœur, à se dire, est-ce que, est que je suis un maître, le maître de l'argent, ou est-ce que je suis un esclave de l'argent? Est-ce que je suis capable d'utiliser l'argent comme un outil, ou présentement, c'est un idole dans ma vie? Donc, prions ensemble. Par éternel, je te remercie pour ce matin, le temps qu'on a pu passer ensemble. Je prie de bénir, euh, de bénir notre discussion, que ça puisse, euh, de bénir la, le, le temps qu'on a eu ensemble, que ça puisse nous parler, et que tu puisses... Euh, nous faire voir à quel point tu es un Dieu fidèle, euh, généreux envers nous. Alors que lorsqu'on est généreux, que tu prends soin de nous. Et je te prie de convaincre à ceux qui, de convaincre ceux qui luttent présentement avec l'idée de donner. Euh, je te prie de, de vraiment euh, enlever toute inquiétude à tous ceux qui présentement ont un manque que tu puisses pourvoir à leurs besoins. Euh, alors qu'ils vont décider de te mettre au défi. Euh, à tous ceux qui vont, qui vont dire, ben moi je vais tester Dieu, Seigneur. bénis les, touche les. Et vraiment, montre-leur à quel point que tu es un Dieu fidèle. Merci, Père. Amen. Alors, merci de vous avoir connecté avec nous ce matin. On se voit dimanche pour notre, euh, notre réunion habituelle. Et euh, donc,.. Euh si vous avez des questions, commentaires, n'hésitez pas à nous écrire. Si vous avez des requêtes de prière, écrivez-nous à requête à 21com si, euh, si vous, vous avez euh, des témoignages à nous raconter, euh, peut-être des témoignages financiers, euh, vous pouvez nous écrire à témoignages à 21com Et euh, sinon, je vous souhaite un excellent week-end. Amusez-vous en famille et j'ai bien hâte de vous revoir. Ciao tout le monde.